Eh bien, salut tout le monde, c'est Skydis, comment allez-vous? Moi je vais bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Ça va se baser en termes de discussion, de... comment dire... C'est des thèmes que je vais proposer, et c'est des thèmes que je vais me proposer plutôt, c'est un peu n'importe quoi ce que je viens de dire. C'est des thèmes en fait, que je vais discuter, si j'aime bien, si j'aime pas, et je vais en fait donner mon opinion. Juste avant, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par la moitié de mes abonnés. Est-ce que tu vas continuer ton let's play sur Mirror Edge? Oui, bien sûr, je vais le continuer. Ce sera même la prochaine vidéo. Je suis désolé, j'ai été pas mal pris par les vidéos de Final Fantasy et mes études. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de... Elle est là, mais j'ai vraiment pas eu le temps de l'uploader, ni rien du tout. Et j'ai envie de sortir un peu de la forme let's play aujourd'hui pour proposer une vidéo à thème. Et aujourd'hui, la vidéo dans la thème, ce sera est-ce que les développeurs de jeux vidéo font des bons jeux ou non, même pas ça. Est-ce que les développeurs de jeux vidéo se fichent-ils de nous? Voilà. C'est vraiment horrible de voir des jeux qui sortent à 70 € qui ont été créés en un an et qui sont juste anarchiques. Pour m'expliquer, je vais prendre quelques exemples de jeux vidéo. D'abord, je vais prendre un jeu que tout le monde a, Call of Duty. J'aime Call of Duty, c'est une série que j'aimais beaucoup avant. Avant qu'il ponde Modern Warfare 3, je vais m'expliquer après. C'est vraiment quelque chose, même s'il y avait qu'un an de développement, c'est vraiment un jeu où je prenais vraiment du plaisir. Juste pour parler du développement en un an, sur un Call of Duty, ce n'est pas assez. C'est comme si on faisait ça à un Final Fantasy, ou un Mirror Edge, ou un Battlefield, ou un Halo, c'est pareil. Halo, en un an de développement, c'est même pas une bêta pour moi, c'est rien du tout. Eh bien, sur les Call of Duty, nous avons pour moi une version bêta. Pour m'expliquer, les graphismes sont horribles. J'attendais avec des amis, avec impatience, Modern Warfare 3. Et je suis un des seuls à dire qu'il était horrible. Comparé à mes potes qui disaient qu'il était quand même assez bien. Pour vous expliquer à quel point j'étais déçu de ce jeu, pendant une semaine. Parce que pendant une semaine, il y avait déjà des gens qui avaient le jeu, hein, alors qu'il devait sortir dans une ou deux semaines. Je ne suis pas allé sur YouTube, pratiquement ni sur Internet, pour voir les news de certains jeux, parce que je savais que j'allais tomber sur Call of Duty, je serais impatient de voir les images, et je me suis dit, on va se créer la surprise, parce que COD 4, bah, Modern Warfare et Modern Warfare 2 ont été juste géniaux pour moi, et pour pas mal de gens de la communauté. Mais quand j'ai mis Modern Warfare 3 dans le lecteur, le premier jour de sa sortie, on va dire légal, j'étais extrêmement déçu, même si je l'ai pas montré. J'ai vu des graphismes sombres. Pour vous dire ça, un américain qui est assez drôle a fait une vidéo d'environ 2-3 minutes qui m'a fait assez rire, même si j'ai rien compris, juste son timbre de voix et son rire, mais m'a fait rire en fait. Je vais essayer de vous la passer dans une annotation si je l'ai pas mis, c'est-à-dire que je l'ai pas retrouvé. En fait, il compare les graphismes de COD 4 et de Modern Warfare 3. En fait, il fait la moitié d'une vidéo. C'est la moitié d'un. En fait, il y a la vidéo et il y a une barre qui les sépare. Et on voit COD 4 et Modern Warfare 3. Et on voit vraiment que Modern Warfare 3 a les mêmes graphismes que COD 4. Pour se défendre, les créateurs du jeu, je crois que c'est Infinity ou Triarch. Je crois que c'est plutôt Infinity. On dit qu'il voulait faire plus réaliste, qu'il voulait vraiment que ce soit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre. Mais je pense que s'ils auraient un meilleur développement, je pense que tout serait mieux. Par exemple, dans Halo, nous avons toujours eu des bêtas. À part pour Halo 4, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est pas Bungie qui s'en occupe. Parce que maintenant c'est 343 Industries. On espère que ça va être bien parce qu'ils nous ont pas encore mis de bêta, on a un peu peur. De toute façon, j'ai un peu peur pour tous les jeux vidéo qui sortent. Et franchement, des bêtas sur Call of Duty, il n'y en a pas. Ou peu. Des bêtas privées sur une centaine de joueurs, c'est n'importe quoi. Surtout les joueurs connus, genre
Diablo X9 et tout le bazar là, qui font des vidéos juste pour se faire de la thune. Mon avis, hein, c'est pas parce que je suis jaloux de leur audience, c'est juste parce que maintenant ils ne sont plus comme avant pour moi les grands youtubeurs, à part Bisman 3 que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je pense qu'il est resté lui-même. Bref, fermons les parenthèses. Je pense que c'est pour nous induire en erreur qu'il teste les bêtas pour des grands youtubeurs américains ou soit français pour qu'ils disent ah oh, c'est génial, et puis hop, je reçois un gros chèque après parce que j'ai dit que ce jeu était génial. Ce jeu m'a complètement déçu, la feedback de ce jeu a été horrible, mais pourtant les gens y jouent encore et moi bah, je l'ai vendu, j'étais assez intelligent. Si vous voulez d'autres FPS, bah, y a Halo qui est un très bon FPS, la série des Halo qui est très bon, il y a même les Borderlands que je vous conseille énormément. Il y a beaucoup énormément d'FPS qui sont juste géniaux. Ou même si vous voulez sortir des FPS parce que vous en avez marre, et ben jouez à Underscroll ou Skyrim ou je sais pas quoi, un jeu d'aventure, un Final Fantasy ou un Zelda ou même un Mirror Edge qui vous fera juste jouir de plaisir tellement c'est un bon jeu. Je prends l'exemple d'un deuxième jeu, je prends d'un dernier jeu qui se fout un peu de nous, c'est FIFA. Je sais que là j'insulte la communauté entière parce que Call of Duty et FIFA, bah la plupart des joueurs ont ça. Eh bien, je pense que c'est un jeu fait à l'arrache. Je ne vois pas la différence entre FIFA 9 et FIFA 13. Bon, je sais que c'est pas pareil, il y a des meilleurs touchés de balles, mais pour moi, les graphismes ne sont pas énormes. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense que ces jeux-là sont juste horribles. Sont juste... C'est même pas du développement, pour moi, c'est du sous-développement. Franchement, Call of Duty et FIFA sont des jeux sous-développés pour moi. En un an, on n'a pas le temps de faire un jeu. On n'a même pas le temps d'imaginer une histoire potable. En un an, on peut pas faire des beaux graphismes. En un an, on ne peut pas mettre un multijoueur assez coriace pour accueillir beaucoup de jeux. Voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire beaucoup de... fréquemment des vidéos à thème comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye bye. Commentez pour voir qu'est-ce que vous avez aimé, pourquoi vous avez raison et pourquoi je n'aurais tort ou le contraire. Et voilà, cette fin de cette vidéo s'annonce et je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo et d'avoir exprimé mon opinion. Parce que j'en ai marre des gens qui disent que des jeux sous-développés sont super bien. Allez, salut tout le monde.